chérie. Ah, mais c'est ce que j'essaie de t'expliquer. C'est que l'homme africain d'aujourd'hui, là, il n'aime plus les femmes qui s'habillent en panne ou qui ont la peau sombre. Ils aiment les femmes modernes avec le teint de Rihanna. Donc, Rose, il faut penser à changer. Moi, Rose, je vais changer. Suzanne, je te dis, tu es en train de creuser dans l'eau. Tu perds ton temps, ma chérie. Moi, je ne veux pas me maquiller, je ne veux pas changer. Mes pannes là, je ne veux pas jeter ça à cause d'un homme. Mais c'est ce qui a marché pour moi, hein? Dans tous les cas, hein, j'ai mon D'Artagnan. D'Artagnan même comme je suis, donc... Quel D'Artagnan? Tout le monde sait que c'est un troubadour. Suzanne, je ne te permets pas, je ne te permets pas. Même s'il n'est pas responsable, même s'il est bête, même s'il est... Un avatar, mais quand même, tu peux pas le parler. Non, 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 un peu. Ma chérie! Quoi de neuf? Non, 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 non. Pardonnez-moi. Ah, trop de distractions. La famille, comment allez-vous? Ne vous inquiétez pas, cette demoiselle-là parle trop. Ah, j'espère que vous demeurez bien. Tout le monde et tout le monde. J'espère que tout va bien. Ah! Vraiment, je vais revenir encore sur les Paralympiques. Je sais que vous êtes en train de dire, ah Rose, tu ne fais que parler des Olympiques, Paralympiques, tout cela. Mais c'est la fierté de l'Afrique. C'est la fierté du continent. Vous êtes toujours en train de dire, Rose, tu ne parles jamais de quelque chose de positif quand tu viens à l'Afrique. Maintenant, quand Rose se met à parler des Olympiques, des Paralympiques, pourquoi il y a des jaloux? Moi, je veux continuer à célébrer vraiment les gens qui sont en train de faire fierté du continent. Surtout, ce jeudi a été une grosse journée pour l'Afrique avec 14 médailles. Vous imaginez la famille? Pour 7 pays, 14 médailles l'Afrique a décroché. Ah, non, mais les Paralympiques, là, font même mieux que ceux qui sont font même mieux que ceux qui étaient aux Jeux Olympiques. Donc, Algérie, Kenya, Maroc, Namibie, Nigeria qui n'avait eu qu'une seule médaille lors des Jeux Olympiques. Cette fois-ci, là, pour les Paralympiques, c'est un jeu d'enfant pour eux. L'Afrique du Sud, Tunisie, ils ont cartonné. Donc, wow. Je veux féliciter l'athlète marocain Mohamed Amgoun qui a gagné la finale du 400 mètres et qui bat par la même occasion le record du monde de la discipline avec 47,15 secondes. Et je ne savais pas qu'il y avait des Marocains noirs. Regardez même. Chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Qui aurait su? Johannes Nambala de la Namibie a décroché l'argent, tandis que Mohamed Amoumou a reçu le bronze. Le Sud-Africain Reinhard Hemmen s'est imposé au javelot avec un score de 50,96 mètres et il a remporté la médaille. C'est-à-dire que l'or est partout comme ça, là, c'est versé, waouh. Nassima Sefi a remporté la médaille d'or algérienne lors du concours du lancer de disque avec un score de 33,33 mètres. En troisième position est venue la Nigériane Yukeria Iyazi qui a décroché le bronze. Est-ce que Yakeke s'est fait? Yakeke s'est... Finalement. Le président sud-africain, Tonton Jacob Zuma, a remboursé lundi 480 000 euros à l'État. Finalement. Avec toutes les villas là. Une somme qu'il avait utilisée pour des travaux d'aménagement de sa résidence privée de Kandla dans son village natal. Vraiment. Vous savez que l'affaire remonte à 2009. À ce temps-là, Tonton Zuma avait dit ceci. Ah, vous voyez vraiment ma résidence là, je veux vraiment améliorer la sécurité du bâtiment. Il paraît qu'il avait utilisé un peu d'argent pour améliorer effectivement la sécurité du bâtiment. Le reste, hey! Jacuzzi, piscine, poulailler, amphithéâtre, il a construit tout ça. Ça, c'est un mot africain? Heureusement que la politique en Afrique du Sud marche. On a dit président, pas président, tu dois payer. Et comment? Tu dois payer. C'est ça qu'on appelle payer même. En ce moment-ci, l'opposition demande seulement une seule chose, les preuves. Montrez-nous qu'effectivement il a payé. Parce que lundi, c'est seulement les gens, les porte-parole de la présidence qui ont écrit un peu de Twitter là. Ah, le président a payé à l'État. L'opposition a dit tout ça là, c'est long. Montrez-nous les preuves qu'effectivement il y a eu un virement. La porte-parole de l'Alliance démocratique a dit ceci.
Nous demandons que le président apporte la preuve au Parlement qu'il a contracté un prêt pour rembourser cet argent. Car dans le passé, le président s'est souvent reposé sur un cercle de fidèles pour rembourser des dettes qu'il avait. État islamique. C'est quoi? Ha! Vraiment les gens là. Maintenant au Kenya, le groupe État islamique a revendiqué pour la première fois une attaque sur le sol kenyan. Je ne sais pas si vous êtes au courant, le dimanche, il y a eu un attentat du commissariat de Mombasa au Kenya. Le dimanche là, pendant que les gens ont fini d'aller à l'église, ils sont revenus de l'église, là ils viennent manger. Non, trois jeunes femmes, même des femmes. Oh. Vous voyez comment nous les femmes, vraiment, on a envie de salir notre image. Trois jeunes femmes se sont présentées au commissariat sous le prétexte de signaler un vol de téléphone portable. L'une d'entre elles a lancé à ce moment-là une bombe incendiaire à l'accueil du bâtiment. Et les deux autres se sont mis à poignarder deux policiers. Dieu est grand. Le Dieu que moi je sers rose là chaque matin, matin, midi, soir, mon Dieu là ne dort pas. Les forces de l'ordre les ont tuées avant qu'elles aient pu faire trop de dégâts. C'est bien. Dieu merci, les deux policiers qui ont été poignardés ont été emmenés à l'hôpital. Vous-même, voyez pour croire. 10:30 in the morning and three women in hijabs arrived at the reception of Mombasa's Central Police Station claiming to report a phone theft incident. But an altercation with two police officers who were on duty would ensue when they were prodded to supply more information. In return, one of the women whipped out a knife and stabbed the male police officer twice, while another suspect poured petrol around the reception area before detonating a petrol bomb. The station's reception area badly burned, while the two officers on duty sustained injuries. One had a broken limb, the other one got injured on his arm. Three police officers responded to the situation, gunning down the three women. Police spokesman Charles Owino says one of the suspects was wearing a suicide vest that, however, did not detonate. An examination of the three bodies also established the women were donning bulletproof jackets. For hours, police officers and explosives experts examined the bodies and searched for any explosives, a delicate exercise requiring utmost caution. Police have identified the gang leader and raided her home in Kibokoni, where three suspects were arrested. The three are Somali refugees that were being hosted by one of the attackers. The government is not going to do mass operation because the target is known, and so we have leads, and so it's going to be focused, and itakuwa ile ya heshima. Bodies of the suspects were later moved from the scene to the Coast General Hospital mortuary as cleaning up of the scene of crime began, but still closed from media access. Detectives believe that the suspects were part of a bigger gang, an advanced team with a brief to distract police before the accomplices raided the station. Trois Somaliennes ont été arrêtées au domicile des trois femmes qui ont été tuées au commissariat. Pour vous dire la vérité, c'est les femmes qui ont été tuées au commissariat, on a dit que, dit-on, deux d'entre elles sont de nationalité kenyane. Donc, je ne sais pas si l'autre est somalienne ou quoi, mais ce que je sais, que les femmes qui les ont hébergées là à Mombasa sont somaliennes. Donc les trois femmes somaliennes ont été arrêtées. Leur procès qui a eu lieu cette semaine-ci a été arrêté aussi. Pourquoi? Et ajourné au 21 septembre. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi, Rose, pourquoi? Pour des problèmes de communication. Il paraît que l'une des Somaliennes est sourde. Vraiment? Il paraît que l'une est sourde et elle n'a pas compris le langage de signes de l'interprète. Et les deux autres ne parlent pas anglais. Moi, Rose, j'ai dit vraiment, dans toutes les raisons du monde, vraiment, c'est ça, vraiment. Donc, à cause de ça, le juge a dit, ok, on va interrompre ce procès, on va laisser tomber, bon, pas laisser tomber, mais on va ajourner ce procès
au 21 septembre. Pendant ce temps, on a envoyé la femme là, dit-on, qui est sourde, dans un cabinet médical pour vraiment vérifier si elle est sourde et tout ça là, pour faire tous les tests, pour voir si vraiment les gens vraiment. Vraiment triste réalité. Encore un autre cas d'un footballeur qui meurt de crise cardiaque sur le terrain. Ça devient suspect, hein? C'est comme si on a mis des totems dans les terrains là pour prendre les sacrifices humains. Vraiment. Moi, Rose, j'avais déjà parlé, j'ai fait analyse, vous vous rappelez, j'avais parlé ici là, j'avais dit que, attention, Ben Idrissa Dermé, le Burkinabé Ben Idrissa Dermé, qui finissait sa carrière dans l'équipe corse de Biguglia, un club amateur, est mort d'une crise cardiaque à 34 ans seulement. Il était appelé 4 fois en sélection. Donc il est tombé en plein milieu du jeu. Les premiers soins prodigués se sont rapidement avérés inutiles. Et les pompiers, comme les médecins qui sont dépêchés sur place, n'ont pas du tout pu le ramener à la vie. La plupart est devenue suspect. Rose a parlé. Voilà un autre cas encore. Non, ça c'est sacrifice. Famille, moi Rose, je vous apporte une nouvelle. Certains ont dit rumeur, d'autres ont dit vérité. Moi, je vous laisse juger. Moi-même, Rose, je suis en train de continuer à faire des recherches. Dites-donc que l'opposition congolaise évoque un déploiement des forces de sécurité dans la région du Poule, au Congo-Brazzaville, depuis le week-end dernier. La présence de militaires et de policiers dans les environs de Mayama, qui est le fief du pasteur Tommy, l'un des chefs de l'opposition, cette présence-là aurait incité les civils à fuir dans la forêt. La Brazzaville! Une source gouvernementale dément toute opération des forces de sécurité en disant que non, Nalaï, c'est pas vrai. Mais moi, Rose, je vous ai donné l'information. Je vais continuer à faire des recherches parce que nous-mêmes, nous connaissons comment les choses-là se passent. Selon mon propre jugement, je pense que c'est la vérité. Félicitations à la Côte d'Ivoire, nos frères ivoiriens. Parlons de la FIFA. Ce jeudi 15 septembre, la FIFA a publié son classement réactualisé des meilleures nations mondiales. Et les éléphants de Côte d'Ivoire ont repris à l'Algérie la place de la première nation africaine au classement de la FIFA. Tandis qu'au rang mondial, la Côte d'Ivoire vient en 34e position. Mais comme je l'ai dit, continentalement. En Afrique, la Côte d'Ivoire vient en première position. Nous allons voir d'autres nations et surtout, où est notre Congo? Le nombre de points qu'il est possible de gagner pour un match dépend de différents facteurs. Comme par exemple la valorisation du résultat du match, l'importance du match allant d'amical à match de Coupe du Monde et valeur de l'adversaire selon son classement mondial et coefficient confédération. Donc nous voyons ici que la Côte d'Ivoire vient en 34e position au rang mondial, l'Algérie 35, Sénégal 39, Tunisie 42, Ghana 43 et RDC nous a battu 51, Égypte, Congo mon Congo vient en 54e position. Voilà. Ce n'est pas mauvais parce que les derniers sont vers les 204. Donc si nous sommes avançants, ça veut dire qu'il y a quand même l'espoir avec les Diables Rouges. Est-ce qu'il y a que qui est fait? Voici une vidéo qui m'a fait sourire et qui m'a fait rire. Ça parle vraiment des réalités de la femme noire. Ah, les cheveux là artificiels. Deux fois peuvent nous jouer des tours. Surtout quand la musique nous emporte là. Quand on porte perruque surtout. Ah, perruque. Moi, voilà pourquoi Rose, de temps à autre, j'essaie un peu d'aller au naturel là, parce que il y a des moments où la perruque là peut te fausser compagnie. Mais il faut toujours remercier nos amis qui nous soutiennent.